Oya de fole a butami Is on the jika kanta num kelam Ame de mulo Mbe gens to mi yo Mele gwame nu manyona mi ma Mele gwame nu manyona mi mama Ye ni ma wa Mele gwame nu manyona mi ma Mele gwame nu manyona mi mama Papa kuma mama imnabawa Sike papa kuma mama ya imnabaila Aya ke mundu abimandu namo Skulu kenye mdu abilai namo Awe kenye mtu abilatu namo Ehu kenye mku abilaku namo Wameno vitu mkungu siayame Ujada folia abutame Zandizi kakacho nunke namo Uye Wameno vitu justement de ça, je dis ça sans pouvoir vous dire de quoi il s'agit, vous allez deviner au fur et à mesure que j'évoluerai. On parle surtout d'un mouvement d'identité vestimentaire qui détourne et réinvente les codes de la mode. Aujourd'hui, nous sommes mardi et naturellement, notre Miss Mode est à la maison encore pour nous faire découvrir justement les codes vestimentaires. Est-ce que vous savez qu'à la base, il faut avoir un bon mélange de couleurs, de formes et également de textures pour parler d'un bon ami, un bon Bon à voilà.
Bon, bonjour. Et si ça va sur TikTok, je vais me fâcher mal. Très, très mal. Franchement, aujourd'hui, non, j'ai mis toute mon énergie dans la sapologie aujourd'hui. J'avais pas grand-chose à vous dire, mais sinon, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, ma chérie, comment tu vas? Je vais très bien. Maintenant, je vais faire mon introduction comme cela. Bonjour chez vous et surtout, soyez les bienvenus dans la pause. Ne pensiez pas ou ne pensez pas que ce qui vient de se passer était de la faute. Non, pas du tout. On a juste essayé d'écorcher un tout petit peu parce qu'on ne peut pas parler de ça en étant tout droit, tout dru. Non, ça ne le fait pas. La sable, justement, ça bouscule les codes. Et aujourd'hui, on va bousculer les choses en parlant d'habillement. Est-ce que vous savez comment choisir une bonne veste, une chaussure, un bon pantalon qui va avec? Non, vous ne savez pas. Ben justement, aujourd'hui, avec Miss Martha, on va parler des choses de la bonne sable. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à choisir les bonnes tenues. Oui, c'est normal. Parce que si vous êtes intelligent, en, je ne sais pas, en comptabilité ou que vous êtes un bon docteur, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes un bon sapologue. Donc, vous avez besoin de personnes pour vous montrer comment est-ce qu'il faut porter les habits, quel habit pour quelles circonstances, comment est-ce qu'il faut maquiller ou marier, maquiller et marier les couleurs. Foutez-moi la paix, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, tout ça, vous avez des professionnels qui vous donnent justement les codes. Et ces professionnels, on les appelle... On les appelle... Bon. J'adore. Maman, sinon, le béret, là... Est-ce que le croco qui a été utilisé fut ligoté? Peut-être qu'on ne l'a pas bien ligoté, c'est pour ça. Non, c'est une histoire digne du béret bleu. Voilà. Alors, vous comprenez que quand on parle de béret, on parle également d'autorité. Donc, vous allez devoir vous mettre sous mon autorité pendant cette émission. Assez rigolé maintenant. Bonjour chez vous. Un plaisir de vous retrouver pour parler mode et également musique avec nos invités aujourd'hui. Mentor ambulant, champion slam, pose comme toujours également la sélection pour le Grand Show Calabas Challenge sur tout l'étendue du territoire national. Vous avez vu en image hier, on avait de grands champions. Mais ce n'est pas terminé. Il y a encore des surprises pour vous dans cette émission aujourd'hui. Mon unique idéal a annoncé un grand invité demain mercredi qui vient justement pour nous parler de sa rage, sa rogne justement à vivre comme cela se doit et ne pas se laisser détourner par la stigmatisation, l'humiliation et tout ce qui va avec. Il sera là pour un magnifique témoignage et on espère que vous allez juste en apprendre encore et encore de cette force que dégage ce jeune Togolais. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer la présence de l'INUS national, international, interplanétaire, intergalactique, intercontinental, inter tout ce que vous voulez. Madame, vous êtes belle, bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour Linus. J'aime beaucoup ta sable ce matin. T'inquiète pas, on viendra au débriefage tout à l'heure. Le pantalon qui va avec les cheveux. S'il te plaît. Les chaussures. Des chaussures. J'aime beaucoup. Alors, je suis aujourd'hui la mascotte, sinon l'ambassadrice de Wa Boutique. Et Wa? Wa Boutique. Qu'est-ce que c'est Wa? Bon, attention, j'ai pas encore fini de payer pour les chaussures. N'allez pas zoomer sur tout quand même. Mignon là, arrêtez ça. Mais sinon, je suis l'ambassadrice de l'ambassadrice de Wab. Bonjour. J'adore, franchement, super ouais. Bien habillée. Et bah, comme d'habitude, on est là pour le débat du jour. Mm-hmm. Également, peut-être, pourquoi ne pas piéger notre habilleur conseil? Magnifique. Tu sais. Conseil. Mm-hmm. Magnifique. Parce que n'est pas habilleur conseil qui veut. Hein. Bah, clairement. Attention. Et quand on dit habilleur conseil, franchement, moi je les appelle les dieux de la sapologie. Yeah. Parce que eux, ils connaissent évident. Quand on vous dit qu'il y a des faux pas qu'il ne faut pas faire. Yeah. Ces faux pas là, ils vous disent tout de suite, attention, ça ne va pas avec faire. Ça. Hein. Non, ce n'est pas bon du tout. Et puis la deuxième chose extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de professionnels qui n'ont pas le temps. C'est vrai. D'aller faire du shopping, vous voyez, d'aller s'acheter des tenues. Même marier les couleurs. Marier, exactement. Ils ne savent pas. Ils savent pas. Oui. Dans les administrations, des fois, vous voyez des sables, surtout les secrétaires. Je ne dis pas ça pour quelqu'un, mais bon, ça peut franchement choquer de se voir aussi. Heureusement que Miss Martha est là pour nous présenter les personnes qui vont vous trouver des solutions à tous vos problèmes vestimentaires. Exactement. Bonjour, madame. Bonjour, Océane. Comment tu vas? Enfin, today I'm there. In England. English? So we'll be talking, we'll be, Mrs.
Martha? Yes, my dear. You're in England today. Yeah. Oh, wow. Lovely. Today. Yes. I want to invite you to take a tea. A tea? Yeah, after the show. That'll be so lovely, my darling. Revenez sur terre, on va écouter. Arrêtez-moi ça. Mais je ne suis pas sûre que même la reine d'Angleterre comprend ce qu'on dit. Martha, on a qu'à rester en français. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Hosseini Faïd, qui tient la boutique Wa dont tu parles tout à l'heure. Il est personal shopper, fashion advisor, conseiller combien? Habilleur conseil. Habilleur conseil, voilà, c'est ça. Français ne m'allongue pas. Non, mais elle l'a dit en anglais. Je l'ai dit en anglais. Accorder une minute de silence à tous les mots qui sont écorchés au cours de cette émission. On n'en est qu'au début, je suis sûre et certaine que ce n'est pas mon unique idéal qui va être... Il aussi va tomber dedans. Ben oui, mais comme on ne sera pas épargné de toute façon. La musique adoucit les mœurs. Seigneur Dieu, donne-nous de la valeur. J'ai pas le reste. Chante. Le plan de Dieu n'est pas celui des humains. Nous qui m'aoua, mais des mathématiques. Et nous dit la nyona non viwa au bidjidoué. Et nous dit la glidoué de au pojija. Es-tu mon ami ou mon ennemi? Namanya zereka, bani pura avenamu. Es-tu mon frère ou mon adversaire? Namanya zereka, bani pura avenamu. Adone mazunde, adone nchamazunde. Hey, adone mazunde. Hey, adone nchamazunde. Najilanya o. Non, Manu, ça va, c'est bon. C'est bon. Mais moi j'ai fini il y a longtemps. J'étais loin, je suis venue à un autre niveau. En plus, je voulais encore narguer les gens. Je me suis rappelé qu'un sage du village m'a dit attention à ce que tu fais. Hein. Il y a des gens, on les nargue pas. Attention, ouais. Donc je reste sage. Moi, j'étais vraiment sage. J'étais prêt. Non. Tu vas narguer seule. Là. Là, c'est bon. Non. Depuis que j'ai commencé à aller au village, il y a des choses qu'on me dit au village que je ramène en ville. On dit, Océane, sois sage. Merci Super. Beaucoup. Manu Lior. Bonjour Océane, bonjour la pause. Bonjour Manu. Ça fait plaisir, vous êtes tous beaux, coquins, coquines. Mais comme toi ça. Aussi. Moi, je ne me suis pas miré ce matin avant d'arriver. Alors, je vais faire un gros plan sur Manu pour qu'il puisse ouais, se mirer. Voilà à quoi tu ressembles, Manu. Oh, donc, tu n'as pas grandi en centimètres. Tu as la casquette à l'envers. C'est cool. Mais pourquoi tu es agressif? Très agressif, Manu. Pourquoi je ne comprends pas. Manu Lior. Voilà, mais c'est Pause Voice aujourd'hui. Et on va retrouver quelques informations et recevoir un gars. Un gars. Tu es là-bas. Un gars. Maintenant, tu es ici. Un gars. C'est une histoire. Le jeu. Une histoire cambolesque. Digne d'un gars. Tu sais pourquoi j'aime bien ta barbe. C'est vrai, pourquoi? Si, tu es bien barbu. Et tu sais, tu seras surpris, il y a une ressemblance entre Manu et son invité du jour côté barbe. C'est vrai, c'est vrai, je pense qu'ils se sont trouvés. Mais soyez prêts parce que c'est un gars qui est extraordinaire. Quelle que soit votre gars, humeur, je parie aujourd'hui, c'est un artiste, mais vous allez rire. Il est comédien, c'est ça? Artiste, mais comment? Voilà. Le gars, il chante, il fait rire également, ah bon? Il danse aussi, ça fait beaucoup de choses. Vous vous rappelez, hier, quand on a fini cette émission, je vous ai montré rapidement...
Ah ben c'était lui. Non. Ah. Okay, j'ai compris finalement. Okay. Donc c'est tout à l'heure dans Pause Voice et ça va chauffer. Ça va être tout de suite dans Pause Voice, mais avant de commencer les choses, vous savez, les esprits divaguent un tout petit peu, trop, je vais dire. Et surtout parce qu'on n'arrive pas à avoir les bons mots aujourd'hui, on va juste implorer les entités pour qu'ils nous inspirent. Exactement. Pour le reste, le silence fait aussi beaucoup de bruit. Mais tout de suite, on va juste garder le silence parce que hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Si la tortue tout à coup te ronge, alors s'efface les songes. Tes jours se font horloge et les soins sont mensonges. Réfléchir est impossible, la douleur sans cesse te cible, et mourir te semble crédible. Hé, libiello, Corona. Corona ni d'avoriade. Corona ni d'avoriade. Mon ami Jaye, comment allez-vous? Des choses, ça. Mon ami Jaye, comment allez-vous? J'adore bien. Oh, bah, mais si, barrière, oui. Quand on a pas, Corona, Mario. Oh, bah, mais si, barrière, oui. Quand on a pas. Corona maléolo, bug, wa noté. Corona maléolo, corona maléolo. Eh, voilà. Non, Manoua, tu l'as rattrapé, c'est la gamme céleste. Même le céleste à cette heure-ci est étonné. Franchement, parce que là, franchement. Menteur dans sa zone de confort, on reste en slam, le gars il est mieux là-bas. Bonjour menteur ambulant, on dit quoi ce matin? Je me porte assez émouvementé, vous voyez un peu. J'ai pris du bon djinkoumé ce matin. Vous savez, djinkoumé a été inventé 6001 ans avant Jésus-Christ. On est pas Baba Oluwatié dans Mésopotamie, ceux qui connaissent. Ouais, c'est une question de niveau. C'est Potamie alors, ou Potamie? Mésopotamie. Potamie. Ah. Prononciation vignée. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2021 et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les flo-flo, fleurs, franc-flo, flo-flo, mikwera. En pays éveillé, il s'agit des comla, abla. En pays kabyé, c'est les pialo, piabalo. Mais Malou, toi-même, tu le sais. Les gens de Bekpota, là, ils me dérangent tout le temps. Kota, 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 hé. Kota, 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 hé. Kota, 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 hé. Kota, 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 hé. Bekpota. Il réclame, c'est parce qu'on a chanté pour Bekpota. Aucun grand frère de Bekpota ne s'est levé pour dire menteur, Manou la pose. Non, parce que. Non, parce qu'officiellement, ils ne savent pas que c'est une chanson qui vient de la pose. Peut-être qu'il faut faire quelque chose. On ira voir le butodra. On ira voir le butodra. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, on reste avec les anniversaires.
Bon, Miss Martha l'a dit, aujourd'hui, on parle de mode. Hein, et puis, de toute évidence, on va décortiquer parce que la mode reste aussi un débat tout entier. Comment les gens s'habillent aujourd'hui? Est-ce que tout ce qu'on voit, c'est réellement de la mode? Est-ce que c'est de la modernité? Est-ce que ça va dans les codes? Ou bien c'est du n'importe quoi? On en parlera aussi dans cette émission. Et maintenant, on veut bien commencer avec un peu d'humour et de la musique. Why not? Je pense que vous êtes juste impatient de découvrir notre artiste du jour. Artiste 360 degrés. Mais avant ça, on vous l'a annoncé demain, on a un jeune Togolais ici qui a décidé de vous parler de son histoire. À l'âge de 2 ans, il est tombé dans les failles d'Alidjo, un grave accident qui lui a laissé des séquelles, notamment des cicatrices sur toute la surface de la tête. Comment est-ce qu'il est arrivé justement à s'adapter à la vie malgré stigmatisation, humiliation, rejet de part et d'autre? Je vous invite simplement à regarder cette petite capsule qui introduit Laïc. Non. Non, t'es l'invité de demain. Je réponds au nom de Haku Loïc, Loïc Ken sur les réseaux. Âgé de 25 ans, je suis titulaire d'une licence en droit privé et entrepreneur dans le milieu digital. Victime d'un accident de bus à l'âge de 2 ans, je suis tombé dans la faille d'Alidjo. Aujourd'hui, je garde la cicatrice sur mon front et après des années à être complexé par ma cicatrice, j'ai décidé de m'assumer pleinement. Stigmatisation, non-acceptation de soi, douleur et humiliation, voilà les mots dont a souffert notre invité de ce mercredi 6 octobre 2021. Pour connaître toute son histoire, prenez le rendez-vous de la pause sur la TVT, canal 260. Soit. Bonjour. Oh, avec Tétine. Ah, bonjour. Non, je préfère que vous allez vous asseoir parce qu'à cette allure-là, on ne va pas. Bien. Alors. Ça parle de la mode. Oui. Ça parle de la mode. Oui. Nous, les musulmans, on a découvert la société de Jésus. Tu as vu. Mais le micro, voilà. Alors, justement. Je vous passe un micro comme ça, on va voir. J'ai dit. Mm-hmm. Oui. Quand ça parle de la mode, c'est nous les musulmans, on a découvert les chaussures de Jésus. Tu as vu ce que j'ai vu? Oui. Alors vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Merci beaucoup. Alors, les chaussures de Jésus, je veux juste préciser que menteur en a les mêmes aussi, hein, les chaussures de Jésus. Bien. Alors, Manolior. Effectivement. Aujourd'hui, nous sommes avec Jimmy Har, qui est un artiste chanteur togolais et un comédien togolais. Donc, moi, je mets l'artiste chanteur en avant parce qu'aujourd'hui, je le reçois en tant qu'artiste. Sinon, nous, on le connaît comme Monsieur Alidozé. Justement, Monsieur Alidozé. Lundi, il va nous l'expliquer. Hein. Ouais, bonjour, Jimmy Har. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'est ça. C'est ça. Oui. Ah. Puisque ça cassait, en voulant format pour moi. Aïe. My TikTok, Joe, ma bicho. Mayo. Bréo. Bon, Jimmy, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi en quelques secondes? Parce que là, on le soulignait tantôt, on t'a sous la casquette de comédien, de plein de choses. Est-ce que tu peux me parler de toi un tout petit peu? Ok. Rebonjour. Bonjour.
Aruna Mujibu, à l'état civil, à Kotokoli. Si tu n'as pas ton permis, tu n'as pas ton bac. Eh oui. Hein? Donc, je suis artiste, comédien et aussi chanteur, coach sportif des fois. Et quel voilà, genre de quoi. Sport? Vous allez me découvrir après. Bon, la Zumba. La Zumba, c'est du sport. C'est du sport. OK. En la dansant, Zumba. En sportant. Hey. Oui, bien sûr. En sportant, on se porte bien. En sportant, on se porte bien. Si. Big up. Mais Dimi, parlant de la chanson, tu chantes, tu t'y es mis depuis quand? Tu chantes depuis quand? Ouais, bon, je chante depuis très longtemps. Donc, j'avais eu à faire des chansons. Bon, pour les papiers, les mamies, ça veut dire un peu du gospel qui parle de la vie, qui parle d'un peu de tout. Voilà. Mais là, ce que je vous ramène, ça touche tout le monde, en fait. Parce que tout le monde a fréquenté. Effectivement. Et tout le monde connaît l'alphabet. Effectivement. Donc, bon. Ah, ça fait pas. Vous allez le découvrir après. Ah. Non, mais on est là pour ça, effectivement. On est là pour ça. On peut commencer? On peut commencer, on est là pour ça. Et où? Je rappelle qu'il s'agit de chansons, hein. Oui, c'est une chanson. D'accord. On dirait Lazare. Lazare. Oh, allons. Chicha. Mon ami. Oh mon ami. Siki. Mon ami. Oh ma jija. Chuka chuka. Kachuka chuka chuka. Achuka chuka chuka. Kachuka kachuka. Achuka chuka chuka. Siki. Achuka chuka chuka. Achuka chuka chuka. Doucement. Ça, c'est la signature. Bon, alors, quand vous voulez, là, je vais m'adresser aux artistes. Quand on vous dit qu'il faut faire dans l'originalité, vous ne comprenez pas. Ça, là, c'est de l'originalité. Voilà. Franchement, parce qu'on est parti d'une chanson peu probable à une chanson vraiment... Justement. J'ai plus rien à dire. Il faut dire que c'est un monsieur qui est très stratège, parce que je rappelle, on est à la rentrée scolaire. Yeah. Et il sort un son. Le titre, c'est Alphabet. Nous, on a l'honneur aujourd'hui d'avoir le clip en exclusivité. Mm-hmm. On va jouer ça pour la première fois. Mais je veux savoir, Dimi, Alphabet, est-ce que c'est pour les élèves ou est-ce qu'il y a un message à comprendre à l'intérieur? Merci. Et l'alphabet, c'est pour tout le monde. Mais si quelqu'un a l'oreille, ça lui regarde. Qu'il entende ce qui est dit. Compris. Celui qui a l'oreille entend de ce qui est dit. C'est vrai que quand on, en début de la chanson, les premières paroles n'étaient pas très, comment je vais dire, pédagogiques pour de l'alphabet. Mais bon, on comprendra qui veut. C'était pratiquement, si tu veux, philosophique. Parce que tu dis A, il faut c'est juste différent écouter, de B. A, c'est différent de ça, B. Ça, on sait. Pourquoi tu précises ça, que A, c'est différent de B? A,
12 et 21, c'est pas la même chose. Ah, ok. Alors, moi, je voudrais juste le féliciter. Exactement. Parce que tout le temps, moi, je sors des gammes ici, vous savez. Mais lui, il a su travailler avec les syllabes. Exactement. Il est resté, en fait, dans la musique, dans la gamme, pour bien chanter. Et puis, c'était très mélodieux. Tiens. Alors, vous m'avez fait rappeler mes années de CP, là. Ah ouais. Ah ouais. Félicitations. C'est ça, c'est ça, on dit, l'artiste est le vecteur de la société. Ce qu'ils venaient de faire, là, c'est ça, tout, les touffards ont fait toute leur vie. Aujourd'hui, ils sont au niveau où ils sont. Félicitations, mon grand. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, Manu. Entre la musique et la comédie, s'il fallait choisir, qu'est-ce que vous allez choisir? Devant de père. Don don. C'est la comédie. Pourquoi? Je savais. Parce que ça, c'est ma vie, en fait. Ah ouais. J'arrive pas à le cacher. Et dès que je... transpire la comédie. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est un peu ça. À chaque fois, j'essaye de donner un petit sourire aux alentours, et même ceux qui ne me connaissent pas. Et moi, déjà, quand tu sors et quelqu'un te dit... Ouais, c'est toi que je vois manger dans... Ouais, les trucs et tout. Mais moi, ça me fait pas... Ah, ces gens, ça me fait du bien, en fait. De voir que je ne connais pas quelqu'un, mais lui me connaît. Mais à travers moi, peut-être, le matin, la personne a pu garder le sourire et sortir de la maison. Donc, moi, je suis quelqu'un qui véhicule un peu. Je suis bien, magnifique. Moi, je reçois en tant qu'artiste, côté artistique, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu fais ça juste pour le feeling ou bien tu as un plan de carrière? C'est quelque chose que tu prends au sérieux? Lazare. Ouais, bon. Ah, c'est pas un hasard aussi. Et c'est aussi mon deuxième côté artistique. Parce que j'aime chanter. J'aime chanter. Et moi, c'est pas la vraie musique que j'aimerais faire, que je suis en train de faire maintenant. Ah ouais? Mais vu qu'il y a... Il y a le petit côté comique. C'est pour ça que j'essaye d'avancer sur ce pas et voir là où ça va me mener. Ça, ça m'intéresse. C'est quoi la vraie musique que tu comptes faire réellement? Voilà. Donc, la musique que moi, j'aimerais faire, c'est la musique au soul qui parle un peu du passé, genre les anciens temps et tout. Avec les afros, les gros pantalons. Slow down, tu es là avec ta guitare ou ton petit djembé. Et tu essaies de véhiculer les messages comme le fait le grand frère. On est en mode artistique. Tu crées ton univers à toi. Tu crées mon univers, tu comprends. Il y a un peu un grand restaurant et toi, tu es là, calé dans mon coin. Et tu fais ta musique. La personne mange. L'idée que lui, il est en train de raconter mon histoire, tu comprends. Donc, ce genre de musique, c'est ça qui m'inspire beaucoup. Sinon, le papa, puis les tchoukachou, c'est aussi bon pour l'ambiance et pour garder le sourire. Surtout ça, c'est magnifique, bon. Franchement. Est-ce que, avant de donner le réseau sur lequel on peut te retrouver, c'est possible de savoir, après l'alphabet, qu'est-ce qui va suivre? Bien sûr. Les voiles. Après l'alphabet, qu'est-ce qui suivra? C'est le chiffre. C'est le chiffre. J'imagine. Les chiffres. C'est vrai que moi, j'ai vraiment beaucoup d'impatience. Je voulais le connaître sur le plan comique. Oui. Parce que beaucoup le connaissent ou le reconnaîtront dans sa peau de tonton qui mange dans Ali Dosé, si vous voulez. Ou alors qui se nettoie la main dans sa barbe, par exemple. Mais il est également chanteur. Et comme l'a dit Manu, aujourd'hui, on le reçoit avec sa casquette d'artiste, chanteur. Mais le lundi prochain, il sera là en tant que comédien et danseur. Exactement. Comédien et danseur. Mais pour les pas de danse, vous avez vu, il vous a donné une petite démo là, c'était bien. Mais tout cas, c'est bon. Franchement, tout cas. Aujourd'hui, c'est bien. Si on peut te retrouver, c'est sur quel réseau on peut te trouver? Avec quel nom? Déjà, sur TikTok. TikTok. Sur Instagram. Et. Quel est le nom qu'on tape? C'est Jimmy Art. On peut l'épeler lentement, s'il te plaît. D-I-M-I-A-R-T et un petit tiret du bas. Ok, un petit tiret du bas. Barre de 8. D'accord. Voilà. Ça, c'est important. Peut-être tu tapes Jimmy A, tu vois que je n'apparais pas, mais le petit tiret. Le petit tiret fait toute la différence. Ça fait la référence. Ouais, sur YouTube, on pourra retrouver ton clip. Sur YouTube, le clip sera peut-être disponible après, mais vous aurez l'exclu ici. Tout à l'heure. Et pour...
voir tout ce que je fais comme comédie, chant et tout. C'est Jimmy Art officiel. Officiel. Il n'y a pas de tiret. C'est juste Jimmy Art officiel. Comme je viens de l'appeler D-I-M-I-A-R-T et officiel. 30 secondes pour 30 secondes, un message de 30 secondes pour tous ceux qui aiment et apprécient de loin ce que tu fais. Alors déjà, moi, ça me fait gros plaisir. Déjà, le travail qu'on fait, on avait commencé genre, de le faire pour donner de la joie. Ouais. Mais je vois que c'est plus que ça, en fait. Parce que toi, tu penses que c'est ton entourage que tu es en train de mettre bien, mais c'est tout un monde, en fait. Ouais. Parce que déjà, tu postes quelque chose, soit disant que c'est ton frère qui va le voir, et quelqu'un qui quitte jusqu'à l'étranger te renvoie la vidéo que ça a buzzé. Du coup, ça te fait plaisir. Et moi, j'aimerais plus toucher les mamans et les grands-papas et tout, parce que c'est eux notre source d'inspiration. À chaque fois que tu sais que tu dois faire quelque chose pour rendre heureux tes parents, tu le fais avec motivation, tu le fais avec amour. Donc, merci de me suivre et on continue dans la foutaise en ordre. À la vite, Dimia. En ordre. Merci beaucoup, Dimia. Alors, on va partir maintenant à la découverte de cette vidéo. Alphabet. Franchement, on ne vous garantit pas ce qu'il y a dedans. Non, non, c'est si vous voyez quelque chose, veuillez nous excuser. Il est 12h07 à notre monde. Bon appétit. Et surtout, profitez de ce qui vient en images. Dimia. Habilleur conseil. Voilà. Mon Dieu, on va finir. Il va se réduire à 45 dans peu de temps, ne vous inquiétez pas. Alors, on envoie un gros merci quand même à 10 milliards hein, qui, à chaque fois, nous donne du sourire. Ouais. Au travers de cette vidéo également, on retrouve écoutez, de la joie, mais surtout beaucoup de surprises. On s'attend à voir un clip et il sort d'une heure. C'est pas grand-chose, mais vous êtes accrochés du début jusqu'à la fin. Magnifique réalisation. Beaucoup de courage à l'artiste. Et maintenant, on reste avec nos chers candidats et le concours Calebasse Challenge.
Et ça fait déjà 3 semaines qu'on a amorcé une compétition ici, la Champions Lampos. Voilà, on arrive à grands pas vers la grande finale ce vendredi. Et je vous demande humblement d'être câblés le vendredi prochain parce que vous allez entendre, regarder sur un beau spectacle avec nos chers candidats. Je vais vous demander ici au plateau d'ovationner nos candidats quand même. Nos candidats, non. Actuellement, ils sont à pied d'œuvre pour asseoir leur écrit et la mise en scène par rapport aux tests. Ils vont nous produire des tests sur la thématique du corona dans sa globalité. Et vous allez apprécier. Et puis, le vendredi, on aura des membres de jury exceptionnels. On est allé chercher les grands du slam qui nous ont laissés dans leur trou. Ils seront là pour noter ces jeunes-là. Mais, comme on dit l'appétit vient en mangeant. Mm-hmm. Juste après la Champions Slam pause, nous allons rentrer dans le grand show Kaluba Challenge. Et ce show qui fait office de la Coupe nationale de slam. Il y a 15 qui sont retenus sur toute l'étendue du territoire. Et on va les retrouver le 13 novembre à l'Institut français du Togo. Et on a les pays qui viendront. Il s'agit de Gabon, du Mali, du Niger, de la France, de la Belgique, de l'Haïti, surtout, et la Côte d'Ivoire et aussi le Canada. Et prenez déjà votre réservation parce qu'il n'y a que 100 places qui seront mises à la disposition du public. Et bien, faites rapidement vos réservations pour ne pas se faire prier à la fin. Maman, et tout cas le vendredi ici. J'avais juste envie de conclure. Tu vois, c'est resté en fait. Vous voyez l'extraordinaire. C'est resté dans la tête tout de suite et je me suis dit que c'est une chanson qui fera tout de suite un tube. Justement, très viral. Mais oui, rapidement. Parce que c'est très accessible, même les mamans au marché, les enfants, les tout petits, retiennent. Mais maintenant, il faut que je trouve le moyen de sortir ça de la tête avant la fin de l'émission. Parce que c'est ça, répète tout cas tout le temps. C'est un peu délicat aussi. Le gars, il a le flair de la société. Bah oui. Ce que vous aimez intérieurement. C'est ça. Il vous donne ce que vous aimez. En tout cas, il vous donne ce que vous aimez. Commentaire ambulant également qui promet de vous donner un beau spectacle. Et l'occasion de dire merci à notre coach Linus National, International, Interplanétaire. Mais comment ça se passe? C'est la dernière ligne droite cette fois. Si vous avez un seul candidat dans la compétition. Oui, un seul candidat. C'est vrai qu'on n'a pas encore terminé, je vais dire, tout ce qui concerne les répétitions et tout ça et l'écriture. Mais on sera à pied d'œuvre et on sera prêt pour le vendredi, pour offrir du spectacle, également pour offrir de belles lettres, de beaux mots. Donc restez câblés et soyez avec nous ce vendredi. Est-ce qu'on peut voler un tout petit peu de l'orientation? Comment ça va être ce spectacle? Est-ce que vous avez préparé votre candidat pour danser, chanter? Non, on ne va rien voler. Aider les autres candidats et les autres coachs, mais c'est pas, ça n'a pas réussi. Elle a vite compris, très très vite compris. Ce qui est encore extraordinaire pour cette finale, les candidats vont nous présenter l'acrostiche de leur patronyme, c'est-à-dire leur nom de famille, histoire d'aller faire des recherches sur le nom de leur famille, nous donner l'explication, les origines, pourquoi. Et comme ça, quand on va vous appeler dans la rue, monsieur Atikbo, vous n'aurez pas honte. Quand on va vous appeler mademoiselle Yeyino, vous n'allez pas dire non, appelez-moi Martha. Ouais. Un peu. Les enfants sont en train de faire un travail de recherche exceptionnel. Mm-hmm. Ça, il faut le souligner. Et ça mérite un autre tout-ka-tout. Tout argument, bon, maintenant vous demandez le tout-ka-tout. C'est bloqué. C'est même avec cette chanson qu'on va souhaiter une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. On n'a pas mieux à vous donner, croyez-moi, aujourd'hui, c'est le gros lot. Tout-ka-tout-ka ou alphabet ou tout ce que vous voulez, je crois que c'est ce qu'il vous faut pour passer une bonne journée. Alors, si on a la vidéo des anniversaires, on part avec et puis on revient juste après. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix.
contact 91 80 24 84. Bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Si on n'a pas la vidéo, ce n'est pas grave. Vous savez qu'on vous porte dans nos cœurs. Exactement. C'est pourquoi on vous offre le cadeau inédit, Touka Alphabet. Merci beaucoup. Manu Lior, avant de partir... Il est bien dans le carré, hein? Non, je rappelle que j'avais une information, mais le Touka fait que j'ai oublié de passer l'information. Moi, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui fait qu'on perdait les mots. Exactement. Le gars, il est là, en fait. Dimi, il est venu avec tous ses esprits. Ouais, et même nos entités s'en sont senties un peu frustrées. Hein, Manu Lior, on a quoi? Je voulais passer l'information. L'info, c'est par rapport à un événement que le fan club d'Edem Draké organise. C'est un concours. Karaoke Time. Donc, il faut rappeler que Edem Draké, c'est un artiste togolais qui fut découvert par un karaoké, un concours aussi. Donc, la nostalgie décide de mettre en œuvre avec son staff ce concours pour faire découvrir un talent qu'ils ont décidé avec ses partenaires de soutenir du début jusqu'à la fin. Ah, ils n'ont pas besoin de choisir. Hein, de... Nous, on est déjà des talents. Nous-mêmes, on va y aller là. Non, je sais pas. Mais c'est important quand même de s'inscrire et de participer. Il faut dire qu'au début, vous pourriez chanter vos propres chansons ou des chansons des autres personnes, mais à partir d'une étape de la demi-finale, ça sera des chansons imposées d'Omar B et de Edem Draké. Omar B en honneur quand même à son mentor. Et donc, je vais rapidement donner le numéro sur lequel vous pouvez vous inscrire. C'est un numéro appel et WhatsApp. C'est le 93 40 55 98. 93 40 55 98. Voilà. Touka, ça va aller. Merci beaucoup, Manu. Allez, alors, nous avons un invité qui nous a rejoint ici. On va le faire défiler pour que vous compreniez un tout petit peu de quoi on parle. Nous sommes tous ici à l'unanime d'accord qu'il défile. Voilà, qu'il défile. Manu Lior, j'ai bien envie de dire quelque chose sur ta vie à l'heure ci, mais j'ai pitié de toi, là. C'est pas grave. De toute façon, c'est déjà réalisé dans ta vie. Alors, on va partir pour le jingle des Fimaud et juste après, on va parler de mode et de sapologie. Nous allons décortiquer les codes vestimentaires. Des Fimaud. Voilà, défi mode à présent, mais avant de commencer, ben, on le dit souvent, hein, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même, donc je veux juste inviter Lely Martha à descendre de son siège et à faire un walk show. Mm-hmm. Hein? You can do a dog walk. Just walk. I'm just asking catwalk. You to walk on this. Tu vas te fâcher, hein? Bon, alors, on va vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce qu'elle est en train de walk, justement. OK. So, take your time. Mm-hmm. Attention à ta chaussure qui Martha, se décolle. Martha, tu sens bon, hein? Dis donc. Il y a un vent qui m'a frappé là. Maintenant, stop. Ça Martha. S'appelle quoi? Non. Givenchy. Ah. Ton vent m'a frappé, vraiment. Very tu sens irresistible, bon, hein, Martha? Mon chéri. Martha, oh. Come and sit here. come and sit in the middle. Yes, you will stay here until the end of this show. C'est thank you. Now, I just want to see the way you dress. Oh, very, yes. Very today, suitable. I'm in denim. Oh, what? Denim. Meaning? En jean, quoi. Denim. Denim jean. C'est comme ça s'appelle, en fait. Denim.
Donc, si vous allez, par exemple, voir un personal shopper et que vous voulez vous habiller en denim, vous lui dites ou bien en jean, comme on le dit communément ici. En quoi? En jean. En jean. Non, en l'autre. Denim. D-E-N-I-M. Denim. Voilà. OK. Question. Pourquoi la ceinture au niveau de la taille? Ah, c'est comme ça le créateur ou le styliste. Ça n'a pas de signification. Non, pas vraiment. C'est juste sûrement pour marquer la taille. Ah, OK. Voilà. Pour marquer la on est bon, là? Ah, on est bon. Ah, d'accord. Hey, Martha, tu as du comportement, aujourd'hui. Non, je fais le tout pour bien montrer, quoi. Dizes. Comportement, hein. Mais elle est bien dans le genre. C'est quoi, midi 45, va sonner bientôt. Hé, Martha, doucement. On voulait seulement s'amuser. Ton denim te va très très bien. Merci maintenant beaucoup. On va juste se demander de prendre tout le courage avec lequel tu as fait le défilé pour aller t'asseoir. Avec plaisir. Bien. Alors aujourd'hui en défi mode on parle de personal shopper, yes. On parle de code vestimentaire, dress code, voilà, dans les entreprises on parle de dress code, on parle de mélange de couleurs ou de choix, oui, de bonnes couleurs, les accessoires également, ce qu'il faut porter ou ce qu'il faut prendre pour ajuster une bonne sape. Et pour tout ça, il y a des professionnels. Nous, on n'est pas des professionnels ici. Mais vous savez que dans tous les médias ou sur toutes les chaînes, il y a des professionnels de la mode. Exactement. Si c'est rien du tout. Absolument, voilà. Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons un professionnel avec nous, Wa Boutique, qui nous a habillés, Martha et moi. C'est pourquoi vous avez pourquoi remarqué... Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas habillés, nous? Oh, t'entends? Il va répondre question. Tout à l'heure. Il faut poser la question à qui de droit. Voilà. Bonjour, bonjour, Martha. Bonjour, Océane. Bonjour, monsieur. Bonjour, Océane. Comment allez-vous? Très bien. Voilà. Donc, en fait, on a juste descendu un peu la pression pour que vous vous sentiez bien à l'aise. Maintenant, on va vous demander de vous mettre debout. Yeah. Donc, le catwalk ou bien le white walk? Catwalk. Okay. On va refaire la même chose avec vous parce que les garçons sont en train de se fâcher pourquoi nous, on n'est pas habillés. On veut juste voir ce que vous avez porté. Donc, allez-y. Catwalk, dog walk, everything that giraffe walk, everything that you want. Bien. Alors, déjà, c'est une veste avec combien de boutons, mon mari? Mais déjà, c'est une veste avec deux boutons. On peut le dire que c'est une veste voilà, ordinaire, comme d'habitude. Okay. Tu vois, un peu cousue dans la taille du monsieur. Oui. Voilà, donc sa touche personnelle, c'est un peu replié la manche, je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas sa partie. Voilà, justement. C'est pour mettre en évidence la montre ou le Rolex. Voilà. Ou alors faire un style sport. Justement. Elle se relaxe. Il faut remarquer que c'est pour ressortir aussi les couleurs, mais l'harmonie aussi, le blanc et le noir. Le blanc et le noir. Justement, un peu casser le style avec cette chaussure-là. La chaussure, effectivement. Oui. Alors, oui, moi, j'ai remarqué quelque chose. Oui. J'ai remarqué que le tissu... de la veste est en relief. Oui. C'est un tissu en relief. Yeah. À mon avis, je sais, peut-être que je me trompe, mais les tissus à relief, généralement, sont portés pour des occasions chic. Ouais. Mais là, je remarque que le style est cassé avec un jean et un polo. C'est bien un polo. Oui. Voilà. Voilà, ce qui relaxe en fait les choses. Mais moi, je suis choquée parce que dans cette émission, on a des personal shoppers, mais depuis le temps, vous n'avez pas voulu dire pour qu'on gagne plus d'argent. Non, mais c'est ça, d'aller vous asseoir. Maintenant, c'est bon, on va juste se relaxer. Maman, j'aime bien aussi le mariage entre son teint et la couleur des basses. Les couleurs. Ouais. Bon, maintenant, on va comprendre justement tout ce que vous avez dit. Je crois que ça se résume en une chose. Dress code, vestimentaire. Mm-hmm. Bien. Martha, on y va. Alors, donc là, on a Monsieur Osseni Faïd. Il est personal shopper, fashion advisor. Personal shopper. C'était quoi le... Habillé en conseil. Voilà. Donc, il détient également la boutique Wa, qui se tient à Verdijolé. Oui. Voilà. Donc là, je ne vais pas trop parler. Je lui laisse la parole. Il va nous expliquer en mieux ce qu'il sait faire. Wa boutique, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Osseni Faïd. Je suis un habilleur conseiller et j'ai une marque qui est le truc là, le Wa boutique. Voilà, nous sommes spécialisés dans la vente des vêtements, friperie uniquement pour les femmes tout d'abord. Okay.
Ah, voilà. Vous avez reçu uniquement pour les femmes. Donc maintenant, vous comprenez. Moi, j'ai des pour chien, je pense. Maman Lola, bonjour. Des tenues de qualité supérieure, des fins de série, à des prix vraiment abordables. C'est ça l'essentiel quand même. Okay. Voilà. Moi, je suis intéressée par le mot ou l'ensemble de mots « fin de série ». Parce que quand on dit aujourd'hui « friperie », je pense que tout le monde porte à cette date, tout le monde porte de la friperie en réalité. Oui. Mais quand on dit « friperie », il y a des degrés de friperie. Et au-delà de ça, les gens se disent « non, c'est juste quelque chose que quelqu'un a porté, a fini de porter, pourquoi je vais porter ça ?» Alors que quand on dit « fin de série », fin de série, c'est un peu comme du déstockage des grandes marques en Europe. Donc, des habits avec des étiquettes et tout, vous allez voir, très très chic, propre. Voilà, ce sont des fins de série. C'est ça qui est. Nous sommes dans cette spécialisation-là, pour pouvoir apporter aux clients des trucs de, vraiment de qualité. De qualité. Voilà. Et par rapport au prix aussi, c'est ça l'essentiel aussi. Vous avez des trucs de qualité, mais quand même le prix est abordable. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé dans justement. La mode, la mode, généralement, bon, moi, j'aime les... Si je vois les femmes comme ça, ou bien les femmes habillées, les jeunes habillées, et voilà, les jeunes dames bien habillées, ça me motive beaucoup. Je vois ça, ça me, ça y est, ça donne une autre dimension quand même à la mode. À la mode, voyez. Donc du coup, je me suis intéressé à ça. J'avais vu que non, pourquoi ne pas essayer dans ce domaine-là. J'avais vu que non, franchement, ça donnait quelque chose. Ça donnait quelque chose. C'est bien dans le domaine. Ça fait déjà 3 ans. Trois ans. Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai toujours une inquiétude. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits ou de tenues de femmes sur le marché. On a de l'exportation, on a tout plein de choses, on retrouve... Oui. Mais côté qualité, où les textures, on parle de polyester, on parle de plein d'autres choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et au même moment, vous avez de ces dames qui veulent... qui ont du mal à trouver leur size, par rapport à la morphologie et tout. Voilà, leur morphologie et tout le reste. Est-ce que vous arrivez à satisfaire ces dames? Et côté qualité, justement, qu'est-ce qui peut aujourd'hui différencier les articles de WA Boutique de tout ce qu'on retrouve sur le terrain? Sur le marché. Voilà. Par rapport à la taille, néanmoins, déjà dans la friperie, on trouve toutes les tailles quand même, de XS jusqu'à XXL. XL. Voilà. Donc déjà... On essaie d'aller, c'est-à-dire essayer de trouver les gammes là pour les clients. Pour satisfaire les clients. Oui, okay. Voilà. Donc, du coup, quand par exemple quelqu'un. Parce que je pose la question parce qu'on prend vite du poids. Hein. On prend très très vite du poids. C'est beaucoup de femmes ont du mal à trouver des costumes pour aller au travail. Est-ce que vous pouvez les satisfaire? Oui, on satisfait tous les clients quand même, par rapport aux costumes, les vestes, les pantalons, les blazers, les pantalons, même les robes pour aller au boulot de façon décente et tout. Ouais. Voilà, parlons de ça, qu'est-ce qu'on retrouve spécifiquement dans la boutique? La boutique, articles, en fait. Les articles, on a les vestes. Nous sommes dans le classique quand même. Okay. Voilà. Donc, il y a les vestes. Les pantalons. Les pantalons, 7, 8e et tout, qui peut aller avec les mocassins et tout. Oui. Donc, les robes pour la soirée. Pour et pour faire un dîner quelque part. Ou bien pour aller à la plage aussi, il y a des robes spécifiques pour aller. Donc, maintenant, finalement, vous faites. Tout le monde y retrouve. Tout le monde il y a toutes les gammes quand même chez nous. Même les robes sexy aussi, il y a des filles, des jeunes filles qui voulaient être un peu plus sexy. Voilà, pour aller se détendre en boîte et tout. Mais le tout, toujours en haut de gamme. Voilà. Ça, par exemple, je crois que c'est un peu comme la veste que j'ai aujourd'hui. Classique. Qui aurait cru que ce que je porte aujourd'hui vient de la friperie et que c'est du premier choix? Fin de série, avec les étiquettes dessus, vous avez le tout. J'ai deux questions. La première question, c'est, on a vu, vous êtes habillé, vous êtes un homme. Oui. Les garçons se sont plaints tout à l'heure. Oui. Est-ce que... Non, c'est pas plein. On a juste constaté le fait. Bon, vous êtes plaint en soum-soum, OK? Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous allez migrer vers l'habillement des hommes? Il a intérêt, sinon... Est-ce que vous allez le faire?
Il y a beaucoup d'hommes qui me taquinent beaucoup, me demandent pourquoi ne pas lancer pourquoi dans les domaines des hommes. C'est vrai que c'est un métier vraiment qui n'est pas facile. Ouais. Pour trouver des, pour s'approvisionner, c'est pas facile. Et donc du coup, ça aussi j'y pense quand même, pour pouvoir essayer. Je voulais essayer de voir notre boutique quand même, notre boutique carrément, hommes et tout ça, là, pour ne pas mélanger. Moi, j'aime pas trop mélanger. Alors, il aime bien rester avec les femmes. Mais du point de vue, commercial, moi, je le comprends. Parce que les femmes font ça pour rapidement les articles de femmes. C'est vrai, néanmoins, on dit souvent que les femmes achètent, mais maintenant, la génération essaie de s'habiller. Ah, maintenant, on s'habille aussi les hommes. Oui, les hommes aussi s'habillent. Tout a changé maintenant, voilà. Donc, du coup, tout le monde veut être propre, chic. Oui. Océane, ma deuxième question, c'est par rapport au conseil. Est-ce que vous avez déjà eu à coacher des gens, c'est-à-dire des personnes qui, à part le fait d'être venues en boutique chez vous pour acheter des vêtements, vous demandent, est-ce que tu peux m'aider de temps en temps, par exemple, quand j'ouvre mon placard, je ne sais pas trop quoi me mettre, qu'est-ce qui va avec quoi? Avec moi, oui. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça, vous avez coaché des gens pour qu'ils s'habillent mieux, pour qu'ils aient une apparence un peu plus moderne, plus fraîche? Effectivement, oui. Je veux bien témoigner. Moi aussi, j'ai des Je veux bien témoigner. Est-ce que j'ai le droit de témoigner? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, M. Saïd, je l'ai découvert un jour. Je devais aller animer un événement. Je cherchais des tenues particulières. Parce que sur certains événements, il y a le dress code et c'est délicat de trouver à la dernière minute des tenues adéquates. Et donc, comme tu l'as dit, dans l'armoire, vous avez 10 millions de tenues. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va avec quoi, pantalon et tout le reste. Mais c'est M. Saïd qui m'a dit, moi, je l'ai contacté. J'ai dit, voilà, j'ai tel événement. Voici le thème. Voilà comment ça doit se faire. Je dois présenter. Qu'est-ce que je dois apporter? Et lui, il a dit, OK, par rapport à l'événement, par rapport aux personnalités qui vont venir, il faut que tu sois dans telle gamme, habillé de telle manière. Il ne faut pas que ce soit chargé, léger. Choisis des couleurs très sobres. Il faut que tout le monde se sente à l'aise. Tu es parti pour animer. Tu ne dois pas être le centre d'intérêt. Exactement. Il faut que tu sois discrète. Donc, merci. Chaussures, taille de chaussures, hauteur, tout ça. Il a tout dit. Et ça a marché pour moi. Maintenant, il y a Martin aussi qui veut témoigner. Je Effectivement, moi, j'adore la manière dont, quand je vais, par exemple, pour faire du shopping, il me propose des tenues qui vont avec moi. Il ne me propose pas quelque chose parce qu'il prend quand même le temps d'observer le client, de voir ce qui lui plaît et tout. Et là, il te propose en fait ce qui va non seulement avec ta morphologie, parce qu'hier, par exemple, j'ai vu une robe, une robe grise, que j'ai kiffée. Donc, j'ai porté. Non, il me dit, au début, il m'avait dit non, que ça ne t'ira pas. Mais têtu de ma nature, j'ai dit, je vais essayer quand même. Donc, quand je suis partie mettre cette robe-là, je reçois, il me dit, tu vois, je t'avais dit qu'au niveau de ici, c'est pas ça. Et l'épaule, c'est pas ça. Ça se voit que c'est pas à ta taille. Je te propose une autre robe, comme ci, comme ça. Donc, c'est comme ça, en fait, que moi, lui et moi, quand même, on a réussi à tisser ce lien parce que tu ne rentres pas juste dans une boutique et dis « Ah non, madame, je te propose. » Il y a plein de gens ici à Lomé quand tu rentres dans leur boutique. On veut juste vendre. Voilà quoi. Donc, même surtout le plus cher. Lui, ce n'est pas son truc. Il ne va pas donner la tenue la plus expensive. C'est ce qui va avec déjà ton teint, ta morphologie et ton goût. Alors, les témoignages ont déjà fait cas de voilà, que vous, ça confirme que vous le faites bien. Alors, je veux poser une question dans le même sens. Est-ce que vous travaillez sur le relooking des gens? C'est-à-dire, moi, par exemple, j'aime porter des vestes. Et du coup, vous vous rendez compte que non, mais que souvent les vestes ne tireront point. Que dans ce style, tu seras bien vendu, tu seras bien relooké, tu seras bien exposé. Voilà. Est-ce que tu travailles sur le relooking des gens? Oui, effectivement, parce qu'il y a des clients qui viennent nécessairement pour dire que non. Moi, si je vais porter tel habit que la personne l'a apporté. Exactement. Mais tu la proposes les mêmes trucs. Mais bon, ça ne donne pas l'effet, quoi. Ça ne donne pas l'effet. Par rapport à ta morphologie, peut-être qu'on doit essayer une autre chose. Voilà. Mais il y a des clients qui sont vraiment, exigeants et puis têtus un peu. Ça me fait penser à quelque chose. Vous voyez la superbe veste que vous avez portée. Un jour, je suis allée pour acheter des meubles. Il y a un monsieur qui est arrivé dans une... Bon, c'est un nouveau riche. Il est arrivé dans une superbe voiture, mais vraiment, quoi. C'était l'arrivée même, franchement, tout le quartier savait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Donc, le gars, il était dans une veste comme ça.
qui brillait au soleil déjà. Effectivement. Le flop, c'est que tu ne mets pas une veste comme ça qui brille au soleil. Ça brillait au soleil, il a retroussé et puis c'est amie. C'est comme il était en train de s'étouffer, mon Dieu. Mais il est sorti de la voiture, il marchait comme ça. Les nouveaux riches. Et là, les familles émergentes. Voilà, les familles émergentes. Tiens-toi bien, c'est une personne hyper svelte. Il est tellement chétif que la veste, ça passe pas. Le pantalon, c'est trop long. La chaussure, elle est trop grosse. Tout était un peu bizarre. En fait, rien mais... de bas, quoi. Mais comme tout le monde est libre de dépenser son argent, il fallait rien dire. Encore, on l'a laissé tranquille, vous voyez. C'est un monsieur qui doit venir se faire conseiller par Saïd. Voilà. Non, au même moment, c'est relatif. Hein. Peut-être la personne se sent bien dans ça. C'est donc, ce que je suis en train de dire. Mais tu peux te sentir bien. L'image que tu peux avoir. Non, ça m'intéresse. Ce que vous venez de dire, l'image, tout dépend. Oui. La personne, c'est l'image que lui donne. Puisque l'habillement, en fait, après tout, c'est de l'expression. Le gars exprime quelque chose. Peut-être qu'il ne s'y connaît pas. Mais tout le monde s'habille pour s'exprimer, exprimer quelque chose. Mais là, chez nous ici, on n'a pas l'habitude de porter des choses pour exprimer quelque chose. Bon, ça nous va, ça nous va. Sans le savoir, parce que j'avais dit entre-temps que la mode est quand même liée à la psychologie par rapport au choix des couleurs et tout ce qui va avec. Oui, c'est vrai, Martha, toi, tu s'y connais. Mais la grande masse, non. Ouais, ça c'est vrai. Bon, après, il faut s'habiller aussi par conteste. Justement. N'importe comment, oui. Justement, après, Océane, il y a cette chose-là qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus, menteur. C'est qu'il y a des gens qui ne s'y connaissent pas. Ils pensent, en fait, justement, tu parles d'expression. Ils pensent vouloir s'exprimer d'une façon, alors que ça renvoie plutôt une autre image. Tout simplement parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Et c'est dans ce cadre, je pense, qu'intervient la bière conseil. Et néanmoins aussi, il faudrait que les gens connaissent vraiment leur taille aussi. Ça aussi, c'est vraiment important. Très important. Oui, c'est tellement important. J'aimerais dire quelque chose. Tu dis que non. Moi, déjà, si je te vois en même temps, il sait que ça, là, c'est du M ou bien c'est du XL. Oui, tout. Tu maîtrises. C'est en même temps. Si tu prends cet habit, je te dis non. C'est ce qui s'est passé hier. Ouais. Donc, il y a des gens qui m'appellent même d'aller demander leur taille après, puisqu'ils voulaient commander quelque chose en Europe. Ils ne connaissent pas leur taille. Il y a beaucoup. Effectivement, il y en a. J'ai une question, si tu le permets, Est-ce que, vous l'avez dit, vous êtes spécialisée dans tout ce qui est tenue de dame et tout le reste. Et quand on parle de friperie, vous savez, il y a toujours un certain malaise. Parce que les gens, ils ne veulent pas assumer qu'ils sont habillés en friperie. Parce qu'on voit la friperie très négative. On s'est dit, dokoto, abloni. Alors que franchement, c'est un degré au-dessus. C'est vraiment au-dessus. Est-ce que il y a des dames qui sont dans leur bureau à qui vous faites justement du shopping et que vous allez livrer ou comment ça se passe? On se déplace quand même pour aller vers les clients par rapport à plan du temps et tout. Ils sont chargés. Et puis les grandes personnalités ne peuvent pas venir chez nous. Mais vous avez des grandes personnalités qui s'habillent chez vous? Oui, effectivement. Je voulais noter aussi par rapport à la friperie. Il y a friperie dans friperie. Que les gens n'essayent pas. Voilà, parce que il y a premier choix, deuxième choix, troisième choix. Il y a un choix VIP, fin de série. Voilà, il y a fin de série également. Maintenant, toi, tu veux cibler quel client, en fait? C'est la cible qui est vraiment le plus important. Donc moi, je veux essayer de cibler. Et moi, j'aime miser sur la qualité, les bons tissus et tout là. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que, étant donné que vous êtes dans la qualité, même si ça reste de la friperie, ce n'est pas donné à toutes les bourses non plus. Voilà. Parce qu'il y a friperie, il y a friperie à 1000 francs, à 500 francs. Oui, effectivement. Mais si je dois m'habiller, ce que j'ai porté aujourd'hui, je dois venir avec une bourse de combien? Minimum. Fourchette. Minimum. Déjà. On commence avec déjà là. Je veux juste préciser que ce que j'ai parlé, c'est de marque, d'accord. La veste est de marque, le pantalon est de marque, le bustier est de marque, et également mon bonnet est de marque. Voilà. Donc tout est sorti de marque. Et pour l'avoir aujourd'hui, vous allez laisser partir à hauteur de combien? Bon, avec ça,
Déjà, tu ne peux pas peut-être à 12 000, 11 000. Non, attends. Le complet. 15 000. Oui, le complet. Voilà, c'est ce que je voulais demander. Oui, le complet. Oui. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on doit noter également. Vous voyez les vestes comme ça. Oui. Il y a une veste dans une veste également. Ah, ouais. On peut te proposer une veste. À 1000 ça, là, la qualité, c'est vraiment autre chose. Voilà. Wow. Vous voyez un peu. Donc, mais là, du coup, la mienne. Le prix, ça, varie, ça dépend. En fait, voilà, ça oui. varie au fait de ce qu'on te propose. La qualité également. Oui. La qualité et la marque ouvrez aussi. Ouvrez rapidement votre boutique homme. Les prix ne seront pas les mêmes. Attention, les prix ne seront pas les mêmes. Les prix ne sont pas les mêmes quand même. C'est normal, mais déjà, vous savez. En matière de tenue pour les femmes, c'est on peut dire un peu plus cher, plus cher. Cher. Mais déjà avec ça, mais moi je veux juste préciser, il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui n'achètent jamais en boutique quand il s'agit de chinoiserie. Oui, jamais. Effectivement, oui. Absolument ça, jamais. Et moi, vous avez ces gens. Je donne. Voilà. Une anecdote. Il y a un client, il y a une cliente qui est venue chez moi. Elle avait vu toutes les articles. Dit non mais c'est ça là, c'est de la friperie. J'ai dit non. De la friperie, madame. C'est ça, moi, je vends la friperie. Il dit que non, c'est trop nickel et tout. Pour être de la friperie. Voilà. Donc, il y a du premier choix. Il y a du premier choix dans la friperie. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Donc, du coup, c'est ça, nous. C'est de ça, ça nous. Non, maintenant, on va tous vendre de la friperie. Parce qu'apparemment, il y a de l'argent. Oui, j'aimerais que M. Saïd nous donne son avis. Pour moi, c'est quelque chose qui est important en matière d'habillement, mais j'aimerais qu'il donne son avis en tant qu'habilleur conseil. Quel rôle joue l'aura d'une personne dans l'habillement, dans son habillement? Ce que la personne dégage, quel rôle est-ce que ça joue dans l'habillement? Parce que très souvent, on voit si on prend deux personnes avec des auras différentes, on mettrait quelque chose à l'une d'entre elles, ça ressortirait super bien. La même chose qu'on remettrait à l'autre, ça ne ressort pas du tout. Quel rôle joue l'aura dans l'habillement déjà, de... Déjà, nous devons noter aussi la taille de la personne. Okay. Il y a des formes slim, vous voyez, il y a des formes slim, franchement. Déjà, si on les compose, effectivement, ça donne d'autres choses quand même. Ouais. Comme voilà. Marta, on a toujours été jeune. Ouais. Donc, vous allez voir que, franchement, dans les grands magasins et tout, c'est des formes slim qui posent vraiment avec les grands magasins. Mm-hmm. Ah ouais. Non, mais néanmoins, les formes rondes, elles, tout ça là, eux aussi, ils ont des formes comme ça, on trouve leur gamme quand même. Ce qui va avec cette forme-là aussi. Voilà. Je crois mais que la néanmoins, de... les tailles M, franchement, c'est la question de Linus, je crois que la question de Linus, c'est surtout de comprendre pourquoi, ce qu'elle a porté aujourd'hui. Je peux porter ça, parce qu'on porte pratiquement les mêmes tailles, à quelques centimètres près, et que moi, ça ne répondrait pas de la même manière que sur elle. Parce qu'aujourd'hui, cette tenue lui va super bien. Ouais. Pareil pour Martha, ce qu'elle a porté lui va bien. Mais pourquoi est-ce que si moi, je portais la même chose, ça je n'aurais pas cette lumière que... Voilà, cette lumière, la tenue n'aura pas son éclat, cette vivacité. Exactement... Comment ça se fait? Qu'est-ce qui varie d'une personne à l'autre? La variation, je pense que déjà. Ou c'est plutôt la manière de porter. Non, en fait. Déjà une harmonie entre la personne et la tenue, en fait. C'est ça. Les couleurs. Symbiose, les couleurs surtout. Donc, déjà avec là, les couleurs. Là, tu parles de Laura, c'est un peu deep. Je pense que là, oui, sur le plan. C'est vrai que c'est un peu profond. Oui, ça part sur le feeling, en fait. Moi, je pense que ça part sur le feeling. Parce que lui, à son niveau, il voit plus la morphologie, le temps et tout ce qui va avec. Donc, côté aura, je pense que ça ira. Je suis allée dans le spirituel. Je suis spirituel ce matin. C'est l'harmonie, en fait. Parce que c'est vrai. Il faut ça, franchement. Il faut ça. Parfois, il y a des tenues que, par exemple, ma soeur et moi, on a presque les mêmes teints. On n'a juste pas le même teint. Par exemple, moi, je peux porter une tenue qui m'ira, mais quand elle autre va le porter, c'est magnifique, en fait. C'est il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a aussi le visage. Et puis la beauté également. Il faut tenir compte aussi de la beauté. L'humeur aussi.
ce que la personne dégage, effectivement. Comment c'est la beauté. Te sens toi-même? Est-ce que tu te sens belle dans la tenue ou pas? Voilà. Non, anyway, on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui. On va juste remercier M. Saïd d'être venu. Oui. Ah, on oublie, on a deux gagnantes. Ouais. On a deux gagnantes parce que la semaine passée, on a quand même fait un petit jeu par rapport au Met Gala. Donc, il y a deux téléspectatrices qui ont donné la bonne réponse. Donc, je vais donner leur numéro. Et elles auront un bon de 15% pour faire un shopping chez Wa Boutique. Voilà. Donc, il y a le numéro 98-33-71-69, 98-33-71-69, 96-18-11-10, 96-18-11-10. Donc, si vous entendez, mesdames. Voilà, félicitations à vous. Et contactez le numéro en bas de l'écran pour prendre vos bons pour venir faire du shopping chez Wa Boutique. Voilà, bravo. Alors faire du shopping, sur quel numéro est-ce qu'on peut vous contacter rapidement? 98. 90 31 17 78. Et la boutique est située à Dijoli. Voilà. À Dijoli. Merci beaucoup, Monsieur Saïd. Merci Martha. Merci tout le monde. Linus, mon unique et idéal mentor ambulant. Un gros bisou à vous. On se retrouve demain mercredi pour, avec Monsieur Loïc pour partager son expérience et surtout, prenez grand soin de vous. Bye bye. Je réponds au nom de Haku Loïc, Loïc Ken sur les réseaux. Âgé de 25 ans, je suis titulaire d'une licence en droit privé et entrepreneur dans le milieu digital. Victime d'un accident de bus à l'âge de 2 ans, je suis tombé dans la faille d'Alejo. Aujourd'hui, je garde la cicatrice sur mon front et après des années à être complexé par ma cicatrice, j'ai décidé de m'assumer pleinement. Stigmatisation, non-acceptation de soi, douleur et humiliation, voilà les mots dont a souffert notre invité de ce mercredi 6 octobre 2021. Pour connaître toute son histoire, prenez le rendez-vous de la pause sur la TVT, canal 260. La la la.
destinés à mourir, mais ce ne sont pas tous ceux qui sont morts qui ont vécu. Toi, monsieur Loco, tu as impacté la musique togolaise. Merci d'avoir existé.